Nous sommes maintenant à l'étape de la fabrication des pièces métalliques. On commence par acheter des tubes en acier ou des poutrelles en acier qu'on va ensuite soit percer, soit découper, soit cintrer. Et à peu près dans tous les cas, on va les souder. Ensuite, ces pièces métalliques, il faut leur appliquer un traitement anti-corrosion. C'est la galvanisation à chaud, c'est l'immersion d'une pièce d'acier dans du zinc en fusion à plus de 400 degrés. Le zinc et l'acier vont partiellement fusionner, qui va apporter un traitement inégalé contre la corrosion. Ensuite, quand le client le souhaite, il y a une opération de peinture, qui est un thermolaquage, qui consiste à poudrer des pièces métalliques et à la passer au four. Le thermolaquage nous permet d'offrir à nos clients une palette infinie de couleurs. Nous avons une durabilité exceptionnelle de la peinture. Nous proposons même un thermolaquage spécial qui reprend la texture du bois. Parallèlement à la fabrication des pièces métalliques, il y a la confection des pièces textiles.